je vais assumer cette introduction. En ce qui concerne l'écologie, il y a deux camps, les pruneaux et les pastèques. Les écologistes radicaux sont les pastèques, vert dehors, rouge dedans, émaillé de pépins noirs, bon pour la soif, désaltérant. Les écofascistes sont plutôt comme des pruneaux, désolé pour les bretons, bleu dehors, tout fripé, vert brun dedans, laxatif. Si la conscience pastèque est en passe de s'hégémoniser, elle rencontre l'obstacle de la conscience des pruneaux. La conscience des pruneaux nous est représentée sous les traits d'un personnage de fiction mainstream. Dans la saga des Avengers, il y a un super vilain très puissant appelé Thanos qui n'a qu'une ambition, sauver l'univers de son effondrement écologique en se dotant du pouvoir de faire disparaître instantanément la moitié de sa population. Tout le but de Thanos sera de rassembler les gemmes lui permettant de faire disparaître 50% du monde en claquant des doigts. Dans la saga, il y parviendra, les pruneaux fripés, les écofascistes... ne sont rien d'autre que les laquais de Thanos. Bienvenue sur Lundi Soir, bonjour Pierre Madelin. Nous t'invitons pour ton livre « La tentation écofasciste, écologie et extrême droite » paru à Éco-Société en 2023. Merci d'être là. Bah, merci pour l'invitation. C'est le deuxième épisode d'une série qu'on a ouvert il y a deux mois avec Pablo Stefanoni sur le fascisme qui vient ou les fascismes à venir. Et si c'est un sujet à la fois parfois un peu... qui nous paraît archaïque et en même temps résurgent, ça revient le fascisme, et en même temps est-ce que c'est le même, etc. On s'est dit que le meilleur moyen de comprendre ces choses, de l'identifier, ben, c'était de parler avec des gens qui avaient étudié les nouvelles formes de fascisme et les mutations de ce fascisme. Dans le livre de Stefanoni, « La rébellion est-elle passée à droite ?», le dernier chapitre est consacré à l'écofascisme, il s'appelle « Hail Pachamama », dans lequel il diagnostique, il voit apparaître l'émergence d'un fascisme vert qui est différent du fascisme fossile ou carbofascisme, c'est-à-dire d'un fascisme extractiviste massif et complètement anti-écologique. Cet écofascisme à l'état naissant, pour s'en faire une idée générale, en gros, c'est un ethno-nationalisme, c'est-à-dire l'idée de défendre une identité qui peut être raciale dans son biotope, dans son environnement, contre une altérité qui viendrait la détruire. Ce qui ressemble de loin à une vieille logique, tout en étant différente, celle du Lebensraum, de l'espace vital qu'on doit défendre. Et leur slogan, c'est plus ou moins « sauver les arbres, pas les réfugiés ». Et donc voilà. J'aimerais bien, pour commencer cet entretien, te faire partir d'une citation de Pentti Linkola, un écofasciste finlandais, qui, à travers une phrase extrêmement célèbre, je trouve, métaphorise assez bien la vision du monde de l'écofascisme, enfin d'une forme d'écofascisme, qui est celle de l'humanité dans un bateau. En tout cas, c'est plus l'humanité qui est dans un bateau, il y a des petits bateaux, et puis des gens essayent d'aborder ces bateaux, c'est des migrants, et il faut les empêcher de monter si on veut survivre. Et la citation, c'est la suivante. « Lorsque le canot de sauvetage sera plein, ceux qui détestent la vie essaieront d'y faire monter encore plus de passagers au risque de le faire couler. » Ceux qui aiment et respectent la vie se saisiront d'une hache sur le pont et trancheront les mains des candidats trop nombreux qui s'agrippent au plat-bord. Il se trouve que dans cette citation, il y a cette métaphore du bateau qui n'est pas sans rapport avec la généalogie d'une certaine conception de l'écofascisme qui remonte au néo-malthusianisme et même encore avant à un certain concept qui est celui de la capacité de charge des espaces et des environnements dans lesquels les êtres se déploient. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup cette généalogie qui est l'une des origines possibles de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écofascisme ? Bah, je vais me lancer alors dans une généalogie un peu longue parce qu'on m'a quasiment pas posé de questions toutes les interventions que j'ai faites sur mon livre sur le chapitre sur les États-Unis et j'étais toujours un peu déçu. Et là, en fait, la question que tu me poses, elle me renvoie un peu à ce chapitre, donc je vais essayer de le redérouler depuis le début. Donc j'amènerai la question de la capacité de charge et de cette métaphore du radeau au fur et à mesure, mais je trouve ça intéressant de repartir dès le début. Pour le coup, on pourrait trouver une première origine un petit peu dans le colonialisme de l'idée selon laquelle certaines populations, on va dire racisées, en l'occurrence en contexte colonial, des populations autochtones qui font l'objet de la colonisation, ont un rapport, on va dire, inadéquat ou insatisfaisant à leur milieu, à leur environnement. Et donc, elles vont être stigmatisées
non seulement racialement, mais aussi écologiquement. Cette stigmatisation, historiquement, elle va souvent prendre deux formes. Soit on va accuser ces populations d'imprévoyance et d'une insuffisante, on va dire, mise en valeur de leur milieu. Soit au contraire, on va les accuser d'être des populations qui surexploitent leur milieu. Donc face à la première accusation, la première accusation va permettre de légitimer des formes d'appropriation de la terre qui vont engager on va dire, des intensifications de la production. Et la deuxième accusation, elle va plutôt engager des premières formes de régulation ou de protection éventuellement de la nature. C'est tous les travaux qui ont été réalisés sur le colonialisme vert, etc. Au nom, voilà, encore une fois, de la lutte nécessaire contre l'imprévoyance et contre l'usage excessif que feraient les autochtones de leurs ressources, l'usage non raisonné. Donc ça, c'est un peu une première matrice. Et en fait, alors moi, j'insiste pas énormément là-dessus dans le livre, c'est vraiment un premier jalon, c'est juste pour essayer de donner un petit peu de profondeur historique, mais il y a eu plein de travaux sur le colonialisme vert, qui sont pas forcément au cœur de mon livre, mais auxquels je fais un petit peu référence. Mais moi, en fait, ce que je repère, c'est qu'à partir des années 1920-1930 aux États-Unis, il va y avoir en fait un basculement. On va se retrouver en fait avec une. Ça va plus être la stigmatisation de populations autochtones qui va prévaloir. C'est qu'en fait, au fur et à mesure que la colonisation va devenir hégémonique, on va dire notamment aux États-Unis, elle est consommée au début du XXe siècle. Il y a une autochtonisation, on va dire, des populations anciennement colonisatrices elles-mêmes, qui vont donc en venir à stigmatiser non plus seulement les autochtones traditionnels, mais les migrants. Mais cette stigmatisation, elle va prendre des formes raciales, mais elle va aussi prendre des formes écologiques, qui vont reprendre en quelque sorte certains des arguments qui étaient réservés autrefois aux autochtones. Et notamment le fait que les migrants viendraient notamment, alors en l'occurrence à l'époque, chez certains auteurs comme Madison Grant, dont je parle dans le livre, qui était une figure importante aux États-Unis à cette époque. C'est les Italiens, par exemple. C'est vrai qu'on a oublié parfois qu'il y a eu des formes de racisme très dures à l'égard de populations d'origine européenne, les Italiens, les Irlandais, etc. Et donc ils sont accusés voilà, de tuer les écureuils dans Central Park pour s'en nourrir. Bon, ça c'est un peu anecdotique, mais de manière générale, ils sont accusés en fait, non seulement parce qu'on est dans un cadre à l'époque qui est un cadre eugéniste, un cadre du darwinisme social, ils sont accusés non seulement d'altérer la qualité de la race supérieure, qui est la race aryenne, qui est placée dans les logiques du darwinisme social au sommet de la hiérarchie raciale, mais ils sont aussi accusés d'altérer la qualité de son environnement. Donc on est dans une logique, en fait, où la crainte socio-écologique de l'immigration, c'est une crainte d'altération qualitative, indissociablement de la race et des milieux qui supportent cette race, qui la portent. Donc on est un peu dans une logique sang et sol, pour le coup. Qui est vraiment celle des théories biologiques de la race et du territoire qui sont très fortes à l'époque et notamment aussi dans le nazisme. Et sauf que petit à petit, alors ce que j'ai appelé cet eugénisme écologique, il est assez marginal. La plupart des eugénistes ne s'intéressent pas à l'écologie et il y a plein d'écologistes aux États-Unis ou d'environnementalistes dans les années 1930 qui ne défendent pas nécessairement d'idées eugénistes ou qui n'ont pas d'hostilité aux populations migrantes au nom de l'écologie. Donc ça fusionne pas encore, il n'y a pas de lien très fort Ça entre les deux. fusionne chez certains idéologues, comme Madison Grant, comme Charles Goethe, comme certaines figures quand même relativement importantes, comme Gifford Pinchot, qui était une grande figure de la foresterie aux États-Unis, qui peut avoir des discours comme ça, un petit peu d'eugénisme vert, où il dit que voilà, les stocks de ressources forestières ou halieutiques, par exemple, et les stocks génétiques de la population américaine doivent être préservés et soignés selon des lignes similaires. Et donc, il faut faire attention à pas les gâter par l'introduction soit d'espèces invasives forestières, par exemple, dans un cas, soit d'espèces invasives humaines, dans d'autres cas. Donc, il peut y avoir, en fait, cette analogie ou cette métaphore naturaliste qui a fonctionné. Il y a certaines figures qui vont défendre un eugénisme vert, un eugénisme écologique. Elles sont relativement marginales. Et c'est un pan, on va dire, de l'histoire des idées qui est assez méconnu, que j'ai un peu exhumé dans mon livre, mais c'est pas très connu, quoi. Et après, ce qui va se passer, notamment après la Seconde Guerre mondiale,
dans un contexte aussi où les idées eugénistes et darwinisme social vont quand même globalement être discréditées, notamment par ce à quoi elles ont conduit l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. On va avoir un basculement en fait de ce que j'appelle en fait la crainte de l'altération qualitative à la hantise de la submersion quantitative. Et là, du coup, le paradigme dominant, ça va plus être. Alors, il y a toujours c'est toujours la question démographique qui reste centrale, mais elle est plus pensée seulement en termes qualitatifs, ou principalement, elle est pensée en termes quantitatifs. Et là, on va avoir du coup un basculement d'un paradigme eugéniste, ou social-darwinien, à un paradigme plutôt néo-malthusien. Donc, en gros, le néo-malthusianisme, et notamment dans sa variante écologique, c'est l'idée que on est trop nombreux sur Terre. Voilà. Qu'il y a un taux de reproduction des sociétés humaines qui est beaucoup trop important, et que son impact, et que cette reproduction, et que cette multiplication des êtres humains à la surface de la Terre a un impact écologique délétère, et que donc une des solutions pour résoudre la crise écologique, ça serait de réduire la croissance démographique, et même de réduire la démographie. En soi, une position néo-malthusienne n'est pas nécessairement une position raciste ou anti-immigrationniste. Mais chez certains néo-malthusiens écologistes, elle va prendre, on va dire, un petit peu ses contours, parce que les populations qui vont être considérées comme surnuméraires ou comme se reproduisant excessivement, ça va pas être n'importe quelle population, ça va être à l'échelle globale les populations plutôt de pays dits en développement, de pays du tiers-monde, de pays du Sud, etc. Ou dans le contexte des nations déjà riches, industrialisées à l'époque, développées, ça va être les populations migrantes, qui vont être accusées dans certaines variantes du néo-malthusianisme vert aux États-Unis, voilà, de menacer la capacité de charge des écosystèmes nationaux qui les accueillent, au prétexte voilà, du surnombre qu'elles vont produire. Mais ce qui est important en fait de souligner, c'est que toutes les formes de néo-malthusianisme, ça c'est un point sur lequel, bon, on en aura peut-être l'occasion d'en reparler après, mais pour moi, le néo-malthusianisme, parce qu'on a souvent un petit peu ce raccourci intellectuel, Malthus, néo-malthusianisme. néo-malthusianisme égale fascisme ou écofascisme. En réalité, c'est vrai que quasiment toutes les idéologies écofascistes, elles vont avoir une dimension néo-malthusienne. Par contre, il y a des discours néo-malthusiens qui sont pas du tout accompagnés de considérations d'ordre raciste ou xénophobe. Tu montres qu'il y a quand même une sorte de discontinuité entre Malthus lui-même et cette théorisation, même si bon, ça dépend des moments, et les néo-malthusiens qui sont beaucoup plus, enfin qui eux proposent des solutions radicales à des choses que Malthus qui a un esprit plus puritain va pas proposer, par exemple des contraceptions ou des choses comme ça. Mais en fait, il y a plus qu'une discontinuité, il y a un malentendu historique dans l'histoire des idées, en fait, qui fait que les néo-malthusiens, sur un certain, à part le fait qu'ils sont obsédés par la question démographique comme l'était Malthus lui-même, en fait, sont aux antipodes des positions de Malthus, parce que Malthus, en réalité, contrairement à ce qu'on croit encore souvent aujourd'hui, n'était pas du tout quelqu'un de favorable au contrôle des naissances. C'était un pasteur anglican extrêmement conservateur. Pour lui, il n'était pas question de parler d'avortement ou de contraception, en fait. Il était en réalité favorable à la natalité. Il était en réalité nataliste. Mais voilà, mais il avait toujours sa crainte que la natalité excède La la capacité. capacité de produire des ressources. Mais c'est pour ça mais en même temps, il pensait que plus la natalité augmentait, plus elle était susceptible de produire des individus qui allaient trouver des solutions économiques et technologiques permettant d'augmenter la Il était productivité. déjà Il était d'une certaine façon technosolutionniste. déjà technosolutionniste. En tout cas, c'est un peu la thèse que défend un théoricien de la décroissance, Giorgos Kallis, que j'ai traduit notamment en français, un livre très intéressant qui s'appelle Limite, où justement il revisite la pensée de Malthus en disant, mais on a complètement mal compris Malthus. Mais bref, ça c'est un peu une parenthèse. Et donc les néo-malthusiens, de ce point de vue-là, ils sont aux antipodes de Malthus parce que eux, ils vont être totalement favorables à la contraception et aux politiques et à des politiques antinatalistes. Et d'ailleurs, dans les années 1960, il va y avoir une alliance de circonstances entre beaucoup de néo-malthusiens et des mouvements féministes émergents à l'époque aux États-Unis, justement sur cette question de la contraception, de l'accès à la contraception et au droit à l'avortement pour les femmes. Une alliance de circonstances qui va se défaire après, quand de nombreuses féministes vont comprendre qu'en réalité, ce qui intéresse les néo-malthusiens, ce n'est pas
l'autonomie reproductive des femmes, c'est juste le contrôle des naissances, Un autre ce qui contrôle. peut entraîner aussi des positions en faveur de la stérilisation forcée, ce qui est évidemment une autre forme de contrôle qui n'est pas moins brutale que l'interdiction de l'avortement, qui peut même l'être encore plus. Mais pour revenir du coup à ta question initiale, parce Oui. qu'on a un peu dévié sur la question du radeau, de la capacité de Voilà. charge, en fait ce concept de capacité de charge, il est au cœur des imaginaires néo-malthusiens. C'est l'idée en gros que... Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'au début, je le rappelle brièvement dans le livre, c'est un C'est concept qui vient de ça. la marine marchande, Oui, en mais c'est fait. ça. C'est Ce qui est ça qui est marrant, c'est qu'il y a une intéressant. espèce de continuum Ouais. depuis la marine marchande, le Ouais. commerce, le fret, la capacité de charge du bateau. Mais un continuum souvent inconscient Oui, inconscient, chez les... mais qui continue jusqu'à aujourd'hui avec des gens, mais en fait, on est encore sur ce Ouais, bateau du ouais. commerce. Bon, bref, c'est parenthèse métaphorique, Non, mais mais. t'as raison de le rappeler, quoi. Et donc, vas-y, continue, pardon. Donc ce concept de capacité de charge, donc je vais pas refaire toute la généalogie en détail, parce que je me souviens plus exactement de ce que je raconte dans le Ouais, livre mais c'est là-dessus, pas grave. mais en gros, il va être repris vraiment par beaucoup de néo-malthusiens dans les années 60-70, notamment par une des grandes figures du néo-malthusianisme vert, et pour le coup, pour moi, de tendance que je qualifierais d'écofasciste dans la définition que je donne de ce terme, qui était Garrett Hardin, qui est très connu, qui va écrire un texte assez connu qui est L'éthique du canot de sauvetage, où il va, en gros, c'est une version un peu sophistiquée de la citation de Penty Nicolas que tu as donnée au début. En gros, y a pas de, en gros, voilà, on va s'enfoncer dans la catastrophe, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc il va falloir trier entre ceux qui sont admis sur le canot de sauvetage et ceux qu'on va laisser se noyer, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, entre guillemets, chez Hardin, c'est que ça, c'est... Parce que ça, à la limite, c'est un raisonnement qui pourrait être tenu par n'importe quel raciste, de manière générale. Mais là c'est arrimé à une prise en compte de la finitude des ressources et à une inquiétude écologique. C'est-à-dire que c'est vraiment pour lui, parce qu'il y a, la crise écologique, qu'à un moment donné, il n'y aura pas, bah, y en aura pas assez Mais d'ailleurs, il y a pour un tout le monde. terme que tu cites qui sert à désigner les néo-malthusiens, mais qui est plus précis, qui est les démo-ressourcistes, au sens où les néo-malthusiens associent croissance démographique et espèce de pression des ressources qui vont de rareté, qui fait qu'il va falloir diminuer la population si on ne veut pas commencer à mourir de faim ou des choses comme ça. Ouais, bah, alors ça, l'expression de démo ressourciste, si je me souviens bien, c'est Fabien Locher, qui est un historien de l'environnement, qui l'utilise dans un de ses textes que j'ai reprise. Effectivement, je pense, une bonne manière de dire les choses. Bah oui, bah, en fait, c'est un petit peu ce que j'ai déjà dit, c'est vraiment cette crainte que face à une croissance démographique, il est vrai, bah, exponentielle depuis le 19e siècle, qu'on n'était que 2 milliards d'habitants sur Terre au tournant du 19e et du 20e siècle, si je me souviens bien. Et on est aujourd'hui, je crois, on va vers les 8, il y a des projections autour de 9-10, même si après, beaucoup de démographes considèrent qu'à un moment donné, ça va se stabiliser, et même qu'il va y avoir après une certaine tendance à la décroissance démographique. Mais c'est vrai qu'il y a eu une tendance, une croissance démographique extrêmement forte au XXe siècle, et que pour les néo-malthusiens, cette croissance démographique est la principale, voire parfois même la seule cause de la surexploitation des ressources, qu'elles soient terrestres, marines, et in fine aussi, dans un monde où un nombre croissant d'individus tend à vouloir adopter des modes de vie, on va dire, capitalistes, bah aussi la principale responsable du réchauffement climatique. Donc en gros, on a un cadrage de la crise écologique. Où la question des rapports sociaux capitalistes, des modes de production, de consommation a tendance à plutôt être évacuée, et où c'est vraiment la croissance démographique qui va être tenue pour principale cause de tous les problèmes écologiques. Et ça, c'est vrai que c'est un discours qui est assez redoutable et très efficace pour neutraliser, en fait, une critique, une pensée écologiste qui soit arrimée à une critique sociale. Et du coup, c'est pour ça que c'est un discours qu'on va retrouver aussi, même chez des personnalités qui ne sont pas historiquement classées à l'extrême droite, même si on peut évidemment je pense à Sarkozy, par exemple, on pourrait se demander si Sarkozy voilà, n'a pas toujours été d'une certaine façon d'extrême droite, mais il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a quelques mois, dans une interview qui avait fait pas mal de bruit, parce qu'il avait... Il avait notamment exposé au grand jour sa complaisance envers Poutine, mais il avait aussi à nouveau, enfin lui, repris en fait cet imaginaire néo-malthusien de dire, bah, la principale cause de nos problèmes écologiques, c'est pas le capitalisme, c'est pas la consommation,
c'est les taux de reproduction et c'est les taux de fécondité dans les pays pauvres. Donc ça, cet imaginaire néo malthusien, il est, voilà, il est toujours très présent aujourd'hui. À la fin du chapitre sur l'écologie du livre de Stéphanoni, il y avait une phrase qui était assez claire là-dessus et qui disait que peut-être le plus grand danger et le plus grand drame de la crise écologique actuelle, ce ne sera pas une question écologique fondamentalement, mais plutôt une question politique de comment les groupes sociaux vont se mettre à réagir à ça, à s'extrême-droitiser. Et en fait, la vraie crise qui est là-dedans, latente, c'est une crise d'hospitalité, une crise d'accueil, une crise de rapport à l'altérité, plus qu'une l'enjeu écologique dans cette question de la démographie, etc. Et finalement, moins le lieu du drame, quoi. Alors, plus la question sera politique. Du coup, ça me fait arriver à peut-être à la question de c'est quoi le contexte dans lequel, depuis un certain temps, ce qui avait déjà commencé à naître avec les néo-malthusiens, etc., l'écofascisme prend son essor. À partir de quand on peut commencer à parler d'écofascisme? Quels sont les indices qui nous permettent de repérer qu'il y a cela? Quelle différence entre un écofascisme, maintenant de manière plus précise, et l'ancien fascisme, par exemple italien ou hitlérien. Bah, en fait, avant de répondre directement à cette question, je me dis que ça peut être bien de revenir sur le terme, parce que c'est Tout un à fait. travail que je fais pas mal dans le livre et c'est important pour moi parce que, un peu comme le mot fascisme aussi, le mot écofascisme, c'est facile d'en avoir un usage un peu fantaisiste, Flottant. un peu flottant, un peu à la carte. Et je pense que c'est bien d'essayer d'éviter ça. Donc, moi, je voudrais faire plus. Alors, quelques remarques et puis ensuite essayer de proposer une définition de l'écofascisme à partir des différents usages qui en ont été faits historiquement. La première remarque, c'est que on est face à un phénomène qui est idéologiquement marginal et politiquement quasiment nul. Donc ça, c'est important de le dire parce que, et je le dis aussi parce que bon, le livre est déjà sorti il y a quelques mois et parmi les critiques qui ont pu m'être adressées, c'était d'inventer une menace imaginaire. T'es assez clair dans le livre pour dire que c'est de la prospective non Ouais, prédictive et voilà. que c'est pas encore là et que justement c'est une Mais théorie tout le un monde peu. n'a pas voulu voir cet aspect du livre, quoi. Oui. Mais d'ailleurs, j'aurais des questions là-dessus sur le fait qu'est-ce que ça implique de repérer ces tendances avant de les systématiser? Est-ce qu'on peut pas, d'une certaine manière, renverser le truc et dire si tu veux en faire un signal d'alarme, mais d'une certaine manière, ça devient un manifeste, genre réappropriable par. Ouais. Bon, après, il faudrait s'attendre à ce qu'ils lisent ce genre de choses, mais vu que dans ton livre, tu parles énormément de comment. Des gens, même en français, des écofascistes, du Grèce, etc., reprennent leurs adversaires, inversent leurs concepts pour les Ouais. utiliser à leur. Bon, bref, on entrera ça peut-être après. Ouais, on aura qu'à en Mais parler c'est après parce que vraiment une c'est une question question que je me intéressante. suis posée, genre, est-ce Ouais. qu'il n'y a pas un côté anticipation, mais du coup, ça peut servir aussi de prophétie Ouais. autoréalisatrice, quoi. Bon, après, je peux Non, répondre c'est une rapidement, mais blague, hein. je pense pas parce que globalement, j'ai pas l'impression dans mon livre de donner de la matière parce que je m'appuie quand même sur une matière qui est déjà existante. Les idées, Oui, ils les ont déjà. c'est vrai. Je pense pas vraiment leur apporter une cohérence qu'ils n'ont pas préalablement. Mais pour revenir du coup à ce que je disais avant. Donc voilà, on est dans un phénomène idéologiquement minoritaire et politiquement quasi nul. Et ça, j'ai essayé de. Voilà, ça, je pense que je suis assez clair là-dessus dans le livre. C'est pas, je suis pas en train de dire que voilà, l'écofascisme est partout dans nos rues. Mais voilà, en fait, la marginalité d'une idéologie enfin, voilà, n'est pas une raison pour ne pas l'étudier, chercher à la comprendre. D'autant plus que mon livre, en fait, il est au carrefour d'un intérêt pour des idéologies. Pour la production idéologique d'extrême droite et aussi pour les débats internes à l'écologie politique. Et c'est là que la question du terme, du concept d'écofascisme, elle est intéressante, parce qu'il y a une histoire, en fait, de ce terme, une histoire importante, en fait, assez longue, dans l'histoire des idées écologistes. Et donc, avant d'entrer un petit peu plus en détail dans cette histoire, c'est juste aussi pour dire que du coup le concept d'écofascisme, en réalité, il est pas vraiment réductible au concept de fascisme historique. C'est pas juste l'écofascisme, c'est pas le fascisme historique plus l'écologie. Psychologie. C'est quelque chose d'autre en fait. On va le voir dans la définition après. Alors évidemment, dans les traits que j'attribue moi à l'écofascisme, on peut retrouver certains traits
qui peuvent rappeler certains aspects du fascisme historique. Mais en réalité, ce concept, il est apparu dans les années 1970 dans l'écologie politique française. Et il s'est très rapidement, et même dès le début, en fait, il a été autonomisé de quasiment toute référence au fascisme historique. Alors, à partir de là, on peut se dire que ceux qui ont forgé ce terme ou qui ont commencé à l'utiliser ont eu tort. Peut-être qu'ils auraient mieux fait d'utiliser un terme moins équivoque. Et parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce que souvent, quand on parle d'écofascisme, on se retrouve non seulement à devoir tenir compte des débats lexicaux et conceptuels autour du terme lui-même, mais en plus à devoir prendre en charge les débats déjà très compliqués qui entourent le terme de fascisme. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, pour simplifier les choses, c'est qu'on va laisser le fascisme stricto sensu de côté. On va pas se lancer dans les grands débats qui animent la communauté des historiens et des politologues pour savoir s'il est adéquat de parler de fascisme par rapport aux évolutions de la politique contemporaine. Et on va se focaliser sur l'écofascisme et sur les significations qui lui ont été données. Et en gros, moi, j'en ai identifié trois. Une première, qui est un usage diffamatoire du concept d'écofascisme, qui vise en gros à discréditer toutes les écologies politiques critiques du capitalisme ou de la société industrielle, donc celle que moi je défends, celle que Lundi Matin défend, comme étant intrinsèquement porteuse de dérives autoritaires, réactionnaires, voire fascisantes. Ça, c'est toute la rhétorique De Luc Ferry, Pascal de Luc Bruckner. Ferry dans les années 1990, et aujourd'hui il y a encore des gens qui surfent là-dessus. Valeurs Actuelles surfent, je crois que j'ai regardé en kiosque il n'y a pas longtemps, sur un des derniers numéros de Valeurs Actuelles était encore un énième numéro sur les nazis, les écolos nazis, Les etc. Khmers verts, tout ça. Voilà, tout cet éventail lexical, Khmer vert, éco-fasciste, éco-nazi, ayatollah de l'écologie, en fait, qui vise à associer les écologies politiques critiques à quelque chose d'intrinsèquement monstrueux, en fait, idéologiquement. Ça, c'est un premier usage qui a été fait du terme. Bon, alors, il a été très présent chez des idéologues associés à droite, mais pendant longtemps, il ne faut pas oublier la gauche, avec son héritage Oui, t'en productiviste parles même des et anarchistes. modernisateur fort, a pu aussi avoir une hostilité de principe à l'écologie, comme étant, en fait, voilà, pour eux, l'écologie, c'était un truc qui relevait la technique. C'était il y avait des trucs à régler dans l'appareil productif et technologique de nos sociétés, mais ça relevait pas vraiment du politique, et à partir du moment où on voulait en faire quelque chose de politique, on risquait d'aller vers des formes de pensée réactionnaire, voire fascisante. Donc Tout cet usage diffamatoire du terme, tu la catégorises comme critique moderniste la critique moderniste, qui ouais. verrait dans l'écologie quelque chose d'anti-lumière et d'anti-moderne au fond. D'anti-lumière, d'anti-moderne, et de fait, souvent, les gens qui ont eu cet usage, par exemple, Luc Ferry, aujourd'hui, il est pas dans une... Il n'est pas dans un discours anti-écolo primaire. Il dit oui, il y a une crise écologique, oui, il faut faire de l'écologie, mais pour lui, ça passe uniquement par le marché, par la technique. C'est vraiment un technosolutionnisme pur. Pour lui, il y a une nouvelle étape de la modernisation qui doit, grâce à l'innovation technologique et au marché, résoudre les problèmes écologiques créés par l'étape antérieure. Ce qui est amusant parce que d'une certaine manière, c'est un peu l'objet de la désignation de ce que vise le deuxième usage de l'écofascisme par d'autres groupes sociaux, d'autres critiques. Tout à Ce fait, que ce que ouais. le deuxième sens de l'écofascisme dans ton livre, c'est pour attaquer quelqu'un comme Luc Ferry qui dirait l'écologie, ça doit être technique, cybernétique, je sais pas quoi. Bah exactement, exactement. Le deuxième sens du terme écofascisme, qui apparaît plutôt chez des grands penseurs de l'écologie politique française comme André Gorz ou Bernard Charbonneau, il aurait tendance justement à désigner comme écofasciste, tu viens de le dire, ce type de discours extrêmement technosolutionniste et modernisateur. En gros, l'idée que à mesure que le capitalisme va, que la crise du capitalisme, que la crise écologique du capitalisme va s'intensifier et s'aggraver, eh bien, va y avoir dans les États capitalistes la tentation, en réalité, de faire une gestion de plus en plus autoritaire, de plus en plus coercitive, des ressources, des territoires et des populations. Donc, en gros, chez ces auteurs-là, l'écofascisme, ce n'est pas la critique radical du capitalisme ou d'une certaine société industrielle, c'est au contraire son exacerbation monstrueuse, sa croissance monstrueuse. Ça, c'est le deuxième usage qui a pu être fait du terme, qu'on pourrait dire, qu'aurait pu aussi être qualifié d'éco-autoritarisme, d'une certaine façon. Parce que chez ces auteurs-là, comme Gorz ou Charbonneau, l'usage du mot écofascisme est vraiment assez fortement décorrélé de référence au fascisme historique ou à des idéologies nationalistes, identitaires, racistes.
Et le troisième usage du terme, qui a été important plutôt dans le monde anglo-saxon, dans le monde académique, ça a été dans un ensemble de courants de pensée qu'on appelle éthique environnementale, écologie profonde, qui sont des courants de pensée qu'on appelle éco-centrés. C'est-à-dire que c'est des courants qui critiquent ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, donc toute philosophie qui considérerait que l'être humain est au centre du monde et que il peut, du fait de sa centralité, de sa supériorité, voilà, s'octroyer le droit d'user du monde à sa guise. Et dans ces courants de pensée écocentrés, donc il y a une critique très forte de l'anthropocentrisme, et il y a l'idée que plutôt ce qu'il faut prendre en compte, ce n'est pas seulement l'humain, mais c'est les écosystèmes dans leur ensemble, voire la planète dans leur ensemble, et que c'est à l'aune de leurs effets sur ces totalités que constituent les écosystèmes ou la planète, qu'il faut évaluer eh bien, la pertinence de nos actes en tant qu'individus, mais aussi de nos comportements sociaux et de nos orientations sociales et politiques. Mais ce qui fait vraiment le côté fasciste, c'est que à cela, à cette espèce d'holisme écocentrique, Ouais. s'ajoute une dimension sacrificielle. Alors, potentiellement. C'est-à-dire Potentiellement. que la critique qui va être adressée à ces pensées écocentrées en elles-mêmes, elles n'ont pas défendu de façon Ok. principielle ou centrale des perspectives sacrificielles. Certains auteurs ont pu le faire. Mais la critique qui va être adressée justement à ces pensées-là, notamment par un philosophe qui s'appelait Tom Regan, c'est de dire attention. Et là, on peut retrouver par exemple un trait qui pourrait rappeler certains aspects du fascisme historique. Attention à développer une perspective holiste comme ça, à considérer que les communautés sont plus importantes que les individus et les tout plus importants que les parties, on risque d'aller vers des formes de holisme sacrificiel et de dire, ah bah en fait, si pour le bien d'un écosystème, il est nécessaire de marginaliser, voire au pire, sacrifier certains individus ou certains groupes d'individus dont les pratiques ou le nombre seraient considérés comme incompatibles avec la préservation de cet écosystème, et bah, des pensées éco-centrées pourraient être invoquées pour légitimer des pratiques criminelles, politiquement criminelles. Et là, on retrouve un petit peu, on retombe sur la citation de départ de Pentikola. En fait, voilà, l'idée du radeau dans lequel il ne faut pas laisser monter plus de monde, c'est un holisme sacrificiel, c'est-à-dire Oui, c'est au pas nom de. juste cruel, c'est au nom de la préservation de la totalité du bateau. Voilà, au Enfin, nom de la préservation d'un bien, de l'intérêt supérieur de la planète, on va se dire que on sacrifie certains individus de certains groupes. Donc en fait. mais l'exemple de Reagan, il est encore plus marrant, puisque c'est en gros au nom d'une jolie fleur, si on trouvait que dans la totalité du tout écologique, la fleur apportait plus d'harmonie et plus de beauté, Ouais. on pourrait décider de sacrifier ce pauvre, inutile humain qui est en train de travailler. Ouais, il y a Bon, plein de. c'est presque caricatural, mais ouais. Ouais, non, mais c'est. Oui, l'exemple de Reagan, il est intéressant aussi, quoi. Par rapport à, oui, une espèce rare en danger. Est-ce que s'il fallait choisir entre tuer 10 bergers qui pâturent une zone où il y a cette espèce de fleur rare en danger ou sauver la fleur? Ça pourrait être un de ces dilemmes moraux. Alors après, il faut dire, les penseurs de l'écocentrisme ont répondu et Oui. ils ont été assez clairs là-dessus. Ils ont dit non, mais en fait, les obligations morales qu'on peut avoir envers des espèces ou envers des écosystèmes n'annulent pas les obligations morales qu'on peut avoir envers d'autres êtres humains. Elles s'y ajoutent, elles s'y superposent dans une logique de cercles concentriques qui vont s'élargissant au niveau éthique et juridique, mais elles ne les annulent pas. Oui. Donc il y a eu des réponses assez convaincantes, et en fait la plupart des penseurs éco-centrés ne cautionneraient absolument pas ce type de logique sacrificielle. Mais il est vrai que, voilà, mal interprétées ou interprétées de façon un peu vicieuse, des pensées purement holistes, voilà, elles peuvent entraîner ce type de réflexe, et c'est ce qu'on voit avec des positions comme celle de Linkola. Et voilà, encore une fois, la position de celle de Linkola, elle me permet de revenir sur la question définitionnelle, c'est qu'on a, donc pour moi, l'écofascisme, c'est que ça serait une idéologie ou une politique qui réunirait une dimension autoritaire, une dimension sacrificielle, mais en lui rajoutant un élément qui est l'élément du racisme. Parce que ce soit chez ceux qui ont pensé l'écofascisme comme autoritarisme ou l'écofascisme comme holisme sacrificiel, il n'y a pas forcément de réflexion particulière sur qui serait visé par ces politiques autoritaires et sacrificielles. On pourrait avoir l'impression que ça pourrait affecter de façon relativement indifférenciée à peu près tout le monde. Or, pour moi, pour qu'une idéologie soit vraiment écofasciste au sens fort, il faut que l'idée d'une gestion autoritaire et sacrificielle, elle désigne en plus comme principale cible, eh bien, des groupes
humains ou des individus humains qui sont eux-mêmes racisés, en fait. Donc ça va être souvent des personnes migrantes. Et c'est pour ça que, en fait, dans la plupart des constructions idéologiques écofascistes que j'examine, les principales cibles, ça va être les migrants, quoi. Oui, parce que toi, le concept d'écofascisme, du coup, que tu analyses plus en détail théoriquement ou politiquement, etc., c'est pas forcément celui des trois premières définitions qu'on a données, puisqu'au fond, c'est des définitions qui sont pas forcément totalement diffamatoires toutes, mais elles servent à attaquer ou à accuser. Bah, la mienne aussi, Et la hein. tienne aussi, évidemment, mais c'est une quatrième, parce que, en fait, tu te penches sur des manifestes particuliers de gens qui disent explicitement qu'ils sont écofascistes et des filiations théoriques avec des gens qui ont théorisé l'écofascisme, dont tu l'as évoqué. Alors, peut-être c'est peut-être le moment d'en parler, peut-être à la fois anecdotiquement, mais en même temps théoriquement, c'est-à-dire, tu commences le livre en énumérant une série d'attentats assez. Des années de 2010, en 2019, il y a eu une espèce de série d'attentats, Patrick Hursus, qui était précédé par Brenton Tarrant, Ouais. et après ça, je ne sais plus comment il s'appelle, qui, en fait, dans leur manifeste même, de près ou de loin, renvoient en quelque sorte à la question écologique, et qui disent que s'ils font ces attentats contre des Mexicains ou contre des musulmans, comme en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, bah, c'est pour une raison, entre autres, de écologique. Est-ce que tu peux revenir sur ces manifestes, leur sens qu'ils ont, d'où viennent les racines idéologiques de ces manifestes? Parce qu'il se trouve qu'en fait, il y en a qui viennent de France, qui viennent de théoriciens français qui aujourd'hui sont très connus, puisque comme le théoricien du grand remplacement, Renaud Camus et d'autres. Et puis même parfois d'écologistes tellement radicaux qu'ils ont fait des attentats, comme le Una Bomber Ted Kaczynski, qui est repris intégralement par Anton Breivik, par exemple, dans son manifeste. C'est un copier-coller de ça. Donc voilà, mais est-ce que tu peux nous Bien raconter ça? sûr. Du coup, laisse plus la France, même si. Bah après, ouais. Avant de parler peut-être de la France, du coup, c'est vrai qu'on aurait pu en parler au début, mais un des contextes qui a donné naissance à l'écriture du livre, en fait, parce que d'abord il y avait eu un article, puis après de l'article, je suis passé au livre. Mais c'était effectivement qu'en 2019, hein, je crois, il y a eu deux attentats quand même assez meurtriers, un à Christchurch en Nouvelle-Zélande et l'autre à El Paso au Texas, qui ont fait chacun des dizaines de morts. 50 pour le premier, 22 pour le Ouais. second, Et un certain nombre de personnes blessées, et les auteurs de ces deux attentats étaient tous les deux des suprémacistes blancs qui, avant de passer à l'acte, pensant qu'ils n'allaient peut-être pas eux-mêmes survivre à leurs gestes, parce qu'ils anticipaient une confrontation avec la police, ont écrit des manifestes où ils exprimaient un petit peu leurs idées. Et c'est vrai que c'est ce qui avait été troublant à l'époque, et ce qui m'avait troublé, c'est que j'avais lu notamment le manifeste, hein, j'avais lu un peu les deux, mais notamment le manifeste de Patrick Crusius, qui est l'auteur de l'attentat à El Paso. Alors oui, il faut savoir que ces attentats n'ont pas eu de... Enfin voilà, encore une fois, là on revient à la question, c'est pas... Ils n'ont pas ciblé de façon indif... Ils étaient néo-malthusiens, mais ils n'ont pas ciblé de façon indifférenciée des N'importe êtres quel humains. humain. Ils ont tué dans une mosquée en Nouvelle-Zélande, et dans un supermarché fréquenté par des latino-américains... au Texas. Donc, dans ces manifestes, notamment dans celui de Patrick Crusius, qui est assez court, qui est en fait assez intéressant à lire, hein, parce que c'est un manifeste plutôt bien foutu, enfin, je veux dire, au sens où Plus il que tu est... dis qu'il est bien écrit, c'est cohérent et Ouais, c'est c'est cohérent, audible. même, c'est pas du tout délirant, il a les idées claires, il argumente assez bien, enfin, c'est toujours troublant de tomber sur ce genre de document. Et je l'avais lu en ligne à l'époque, parce qu'il était... bon, c'était pas très agréable, on le trouvait sur des sites néo-nazis, j'avais dû aller lire... ça sur un site néo-nazi, mais bon, c'était intéressant à lire en tant que document idéologique. Et il se présentait comme suprémaciste blanc, et il déroulait vraiment, enfin voilà, tout ce que, moi je vais pas revenir dessus parce que c'est vraiment tout ce qu'on a évoqué à ta première question. Il a vraiment cette filiation néo-malthusienne de dire voilà, nous sommes trop nombreux sur cette terre. Je sais en plus que nous Américains, nous sommes trop têtus pour changer notre mode de vie et donc réduire notre impact écologique. Donc la seule façon de continuer à faire en sorte que cette terre soit viable, c'est de tuer ceux qui sont trop nombreux. Et notamment de tuer les envahisseurs, quoi. De tuer les envahisseurs qui arrivent chez nous et qui viennent imposer une surpopulation aux conséquences non seulement sociales, mais écologiques délétères. Donc là-dessus, il s'inscrivait vraiment dans la filiation
de cette idéologie néo-malthusienne. Mais du coup, si on revient pas sur l'idéologie néo-malthusienne, il me semble que Brendan Tarrant ou Crucius, dont le manifeste s'appelle Le Grand Remplacement. Ouais. C'est Brendan Tarrant. Et ouais. Tarrant, il était même allé faire un voyage en France où il avait visité la France, constaté par lui-même le grand remplacement en France. Et voilà, il est retourné en Nouvelle-Zélande et il a fait son massacre. Et d'ailleurs, les pro-Camus, le théoricien du grand remplacement, disent non, mais il n'y a aucun rapport. Bon, le manifeste s'appelle Le Grand Remplacement, mais il n'y a pas de rapport avec le... Bon. Et du coup... Il est vrai que Renaud Camus n'en est pas encore à faire l'apologie du terrorisme. Ça viendra peut-être. mais ce qui est du coup intéressant dans ton livre par rapport à ça, c'est que des gens comme Renaud Camus ou Alain de Benoist autour de groupes pour défendre la civilisation européenne, le Grèce et des choses comme ça, ou des revues Éléments, Crisis et je sais plus quelles, ont commencé à théoriser en France l'idée d'une nouvelle droite qui coupait avec les racines traditionnelles des fascistes, vichistes, etc. et qui... en particulier reprenait énormément de concepts qui appartenaient pourtant à, par exemple, l'anthropologie, mais l'anthropologie critique, par exemple, de la colonisation, pour se réapproprier des concepts, comme par exemple les Blancs, en fait, c'est des autochtones qui se font submerger, etc. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur ces éléments et sur cette histoire conceptuelle? Je vais essayer de refaire un peu cette généalogie, ça va prendre un petit peu de temps, mais on a le temps. Dans la perspective de penser... comment l'extrême droite est en train de se recomposer aujourd'hui. Ouais, bien sûr, mais ça c'est important, surtout que nous on est en France, donc c'est, ça nous concerne directement. Ah, oui. Même si le néo-malthusianisme est présent aussi dans les extrêmes droites françaises, mais il y a un peu une autre généalogie en France, c'est que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a une extrême droite qui est très très faible, et pour cause, déjà elle a été vaincue en fait politiquement et militairement, et puis elle est discréditée par la collaboration en France, mais de manière générale en Europe, elle est discréditée par le génocide, par l'abîme dans lequel elle a plongé le continent. Et du coup, les vieilles idéologies, les vieilles recettes, on va dire, de l'extrême droite, et le vieux racisme biologique ancré dans une forme de darwinisme social, etc., il est plus très vendeur, il est plus très crédible. En plus, il y a aussi au fur et à mesure des années, des décennies, des évolutions juridiques qui font que, en fait, certains propos qu'il était possible de tenir sur la place publique jusqu'à parfois pas si longtemps deviennent petit à petit, dans les années 70-80, passibles de poursuites pénales. Donc il y a des ajustements. Et un des groupes, un des milieux de l'extrême droite qui va prendre conscience en fait qu'il n'est pas possible pour l'extrême droite de renaître politiquement si elle reste rivée à ses anciens logiciels ou à ses anciens paradigmes, c'est ce que les historiens ont appelé la nouvelle droite. C'est un qualificatif qui est discuté, c'est un peu une nébuleuse la nouvelle droite, ça ne correspond pas forcément historiquement et ça correspond encore moins aujourd'hui à quelque chose de strictement délimitable, mais les historiens des idées ont appelé ça comme ça, va entreprendre cette nouvelle droite une refonte idéologique de son camp, notamment sous l'impulsion, pas que, mais notamment, et je vais parler de lui parce que c'est lui qui est le plus connu, d'un de ses principaux intellectuels organiques, on va dire, qui est Alain Benoist, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui a plus de 80 ans maintenant. Et avant toute chose, ils vont dire, nous ce qui nous intéresse, c'est pour le moment le combat culturel. On ne va pas s'engager dans la conquête du pouvoir. S'il y a des gens qui sont intéressés à former des partis, à jouer le jeu des élections et tout ça, qu'ils le fassent. Mais nous ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'engager un travail de refondation. Idéologique. Tu dis que c'est des gramschistes de droite qui revendiquent en gros l'hégémonie culturelle, la métapolitique des idées. Voilà, des c'est comme ce ça. Qu'ils ont appelé la métapolitique, c'est-à-dire l'idée d'infuser par les idées sur le débat, sur les évolutions lexicales, etc. Et selon toi, ça a marché? Je pense que ça a marché en partie, mais du coup, on va voir en quoi en revenant un petit peu dessus. Une des premières choses, c'est substituer au racisme traditionnel, au racisme classique, qui était plutôt hiérarchique. Et biologisant, un racisme horizontal entre guillemets, et culturaliste ou ethno-différentialiste, comme l'ont appelé aussi des historiens. En gros, c'est l'idée que il n'y a plus de race, il n'y a plus de hiérarchie entre les races, il y a des cultures
Et ces cultures sont incompatibles les unes avec les autres. Et leur mélange est une catastrophe parce qu'elle affecte l'identité de tous, non seulement des groupes mélangés, mais aussi des groupes mélangeurs. Et donc, on va avoir, par contre, un noyau persistant, on va dire, enfin, une là où s'opère et où la continuité entre des formes de racisme classiques et ces nouvelles formes de racisme, c'est ce qu'on appelle la mixophobie. C'est-à-dire qu'il reste quand même cette hantise du métissage et l'idée que le métissage, même s'il n'est plus celui des races, mais celui des cultures, eh bien, est une catastrophe culturelle, démographique et anthropologique. Et effectivement, ce qui est intéressant dans cette opération, c'est qu'elle va s'appuyer notamment sur les travaux d'anthropologie sociale et sur même parfois certaines idées, on va dire, du postcolonialisme, avec en gros l'importation d'un paradigme colonial ou postcolonial pour penser la situation française, mais pas du tout dans le sens où peuvent l'utiliser certains courants décoloniaux qui vont penser aujourd'hui l'État français comme une persistance de l'État colonial et les populations racisées comme des Comme des indigènes. indigènes. Là, c'est l'inverse. C'est en réalité les populations immigrées qui colonisent une France autochtone qui est perçue du coup comme assiégée, C'est une totale inversion du monde. menacée. Donc c'est un fantasme d'inversion coloniale qu'on va retrouver. Et donc voilà, on va avoir Alain Benoît qui dit, non, nous avons toujours été opposés à toutes les colonisations, et de la même façon que nous aurions condamné la colonisation de l'Amérique ou de l'Afrique à l'époque, bah aujourd'hui nous condamnons la colonisation de la France et de ses populations et de l'Europe de manière générale, parce que la nouvelle droite n'est pas nationaliste, elle est plutôt européiste, par des populations allochtones qui viennent remplacer les populations autochtones. Donc, alors, c'est là où, en fait, c'est un peu la même logique. Renaud Camus. Clairement, lui, qui est donc un des principaux, le principal idéologue du grand remplacement, lui, il parle clairement, il dit, il faut, voilà, quand il évoque la nécessité de la remigration, il dit, il faut que l'occupant colonial soit remigré en ses diverses métropoles, et il assimile le grand remplacement non seulement à un génocide de substitution, mais aussi à un écocide. Et c'est là où on arrive sur la question écolo, comment en fait cette logique ethno-différentialiste elle s'est branchée sur la question de l'écologie. Et je vais l'expliquer, ça va prendre un petit peu de temps. T'inquiète. Mais si on a le temps, ça Alors, va. attends, on a Ouais. tout. Mais moi, j'ai une remarque, et je parle fort comme ça, on s'en arrête. Ouais. Je sais pas si c'est dans le livre, mais moi, j'ai l'impression qu'une des grosses influences de Benoît, c'est vraiment Douguine. C'est réciproque, en fait. Ouais, Ouais. mais parce que Douguine, au départ, qui est devenu ensuite le conseiller de Poutine, Douguine, dans les années 90, c'est une espèce de guignol qui se fait enfermer, qui fait des posters avec des mélanges entre des croix gammées et des faucilles et des marteaux, etc. Mais qui théorise un peu cette espèce de nouvelle idée, qui est enfin, nouvelle idée. Enfin, il théorise le racisme et l'histoire des plaques civilisationnelles, etc. Et que donc, en gros, c'est une manière de se distinguer, de s'opposer à l'Empire américain, c'est de dire non, non, mais nous, en fait, on va faire la Grande Russie, etc. Et donc, c'est chacun chez soi, parce que la migration, dans le fond, c'est la marchandise, le capital, etc., etc. Et donc, c'est l'espèce de proposition politique large, on va dire anti-impériale, mais russe, quoi. Et moi, ce que je trouve un peu amusant, je sais pas si c'est amusant, mais c'est que Douguine, à cette époque-là, quand il était élu par De Benoît et tout ça, c'était vraiment un peu le taré de service, machin. Et en fait, il s'avère que, quelques, genre, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, il se retrouve à avoir l'oreille très attentive de Poutine. Et donc ça montre quand même bien que des idées qui au départ peuvent Pas apparaître farfelu, ouais. un peu farfelues, avec des mecs un peu facho Ouais. chelou, machin, et bah finalement, dans les circonstances adéquates, ça prend une toute autre ampleur, quoi. Carrément, ouais. De toute façon, on parlera peut-être un peu du RN après, mais voilà. Après, sur la, il y aurait, bon, là, je vais pas en parler parce qu'il faudrait faire une autre émission. Puis là, ce serait pas moi qui serais compétent, mais sur les géopolitiques de l'extrême droite, c'est aussi super intéressant. Et Alain Benoît et la nouvelle droite aujourd'hui, ils sont complètement poutiniens. Et il y a des liens assez étroits avec Douguine. Il y avait des liens assez étroits avec la fille de Douguine qui a été assassinée en Russie il y a un an et demi.
et notamment via la lecture de Carl Schmitt, etc., etc. Bon, mais ça, c'est encore un autre sujet. Ça serait intéressant d'ailleurs de creuser un peu les géopolitiques de l'extrême droite. Entre parenthèses, comme ça, super rapidement, j'ai vu un débat entre Yukwi et Dugin. Ah oui. Oui. Yukwi qui a été publié par Divergence. Oui, ils discutent avec Dugin. Ok. Et ce qui est absolument fou. Voilà, ça fait vraiment un télo, mais c'est que Dugin cite Vivero de Castro, l'anthropologue, presque anarcho-autonome, mais ouais. Du tournant anthologique. Bah, ouais. Et il reprend ses concepts de perspectivisme multinaturaliste pour défendre un pan-slavisme. Enfin, j'ai pas exactement compris quoi. Mais du coup, je me suis dit que ce geste qui continue, genre Alain de Benoît et Renaud Camus qui reprennent à l'anthropologie de Lévi-Strauss. Ou de Robert Jolin, la décivilisation et tout ça, c'est des concepts. À la base, c'est pour dénoncer la colonisation dans des pays. Bien sûr, mais il y a un usage vraiment important de l'anthropologie. Bon, de manière générale, ça je ne l'ai pas dit, mais Alain de Benoît et ses acolytes sont des gens très cultivés. Ça, on ne peut pas leur enlever. C'est des gens qui lisent beaucoup et qui bouffent un peu à tous les râteliers, si je puis dire. Et ils ont assumé dès le début, et c'est aussi partie d'une stratégie de. Bon, à la fois, je pense, parce que ça les intéresse réellement, mais c'est aussi partie de leur stratégie de brouillage, un peu. Quoi. Mmh. En fait, eux. Quand tu lis du De Benoît, 70-80% de ses références, c'est de la production intellectuelle de gauche. Hein. Donc ça, c'est aussi une des sources de troubles historiquement. Mais je reviens du coup, après ces différentes parenthèses, sur la question de comment l'écologie s'est branchée sur l'ethno-différentialisme. Parce qu'à l'origine, en fait, ces gens-là, ils sont ethno-différentialistes, ils théorisent l'ethno-différentialisme, mais ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'écologie. Ça, c'est un truc sur lequel ils restent assez, finalement, plutôt les héritiers du fascisme historique. Ils sont plutôt... Ils sont plutôt technophiles, ils sont plutôt habités par des fantasmes de puissance, etc. Mais petit à petit, il va y avoir un basculement qui va se faire vers les préoccupations écologiques, à tel point que, à partir des années 1990, Alain de Benoît écrit vraiment beaucoup là-dessus. Il y a plusieurs numéros de la revue Élément, qui est un petit peu la revue grand public de la Nouvelle Droite historiquement, qu'encore aujourd'hui on trouve en kiosque, etc., qui vont être consacrés à l'écologie. Mais Alain de Benoît, décroissance. Petit à petit, écrit des choses sur la décroissance, il se prononce en faveur de la décroissance. Pourquoi cette évolution? Et bah parce que au cœur de l'ethno-différentialisme de la nouvelle droite, depuis toujours, mais au cœur pour le coup de toutes les extrêmes droites, mais aussi de celle-ci, il y a une haine féroce de l'universalisme en fait. L'ennemi principal, c'est l'universalisme. Parce que qui dit universalisme dit reconnaissance de notre commune humanité. Et ça, c'est ce que la nouvelle droite veut, enfin c'est ce que l'extrême droite a toujours combattu, l'idée d'une commune humanité. Même si aujourd'hui elle ne va plus forcément le dire ouvertement, c'est quand même ça qui est en jeu. C'est l'idée qu'il y a des différences incommensurables qui impliquent la plupart du temps des hiérarchies ou en tout cas des incompatibilités de cohabitation. Et cette hantise de l'universalisme, dans l'histoire de la Nouvelle Droite, elle se traduit notamment par une hostilité très forte au christianisme. Parce que le christianisme est considéré comme la matrice historique, idéologique, première de l'universalisme, avec notamment la fameuse phrase de Saint Paul dans une de ses épîtres, voilà, il n'y a plus ni juif, ni gentil, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave, voilà, on est tous unis dans le Christ, etc. Donc c'est aussi pour ça que la Nouvelle Droite est historiquement néo-païenne. Elle se revendique des traditions, elle ne l'est pas forcément sous des formes New Age, mais elle se revendique plutôt des traditions intellectuelles qui sont celles d'une antiquité antérieure à cette grande catastrophe qu'est, d'après eux, le christianisme. En tant que premier ferment et première matrice de l'universalisme. Et là, en fait, la Nouvelle Droite va se brancher sur une critique qui est aussi très présente du christianisme dans les milieux écolos, à savoir notamment chez un auteur qui s'appelait Lynn Wright, un historien médiéviste, qui a écrit un article très célèbre, qu'Alain de Benoît a été le premier d'ailleurs à faire traduire en français au début des années 1990. Alors Lynn Wright n'était pas du tout écofasciste, hein, mais voilà, il y a eu cette traduction. Un article qui s'appelle « Les racines historiques de la crise écologique » où il disait que, en fait, le christianisme était la matrice ultime de la crise écologique parce qu'il était la religion anthropocentrique par excellence. Et là, la citation, ça va être celle très célèbre de la Genèse où Dieu s'adresse à ses fidèles en leur disant voilà, « Croissez et multipliez-vous, soumettez la terre. » Et donc, en fait, là, il va y avoir le branchement entre la critique on va dire, de l'universalisme classique de l'extrême droite et notamment de la nouvelle droite dans son versant ethno-différentialiste et la critique du christianisme, de l'anthropocentrisme
du christianisme via la critique de l'anthropocentrisme dans la pensée écologiste. Et c'est là que va se faire la jonction. Et petit à petit, ces noces entre guillemets de l'universalisme et de l'anthropocentrisme, la généalogie va être déroulée. Voilà, elles vont aller. Et alors, c'est effectivement troublant parce que c'est des généalogies qu'on peut retrouver aussi dans certaines pensées de gauche. Hein. Ouais. Ça va être voilà, la modernité, la réduction du monde à la quantité, et puis après, au niveau opérationnel, au niveau concret, matériel, le capitalisme qui va unifier le monde et qui va devenir en quelque sorte cette unification marchande du monde qui va devenir en fait le visage concret de l'universalisme. Et donc c'est là où en fait ils vont articuler l'exigence de démondialisation et de décroissance avec l'exigence de démétissage en quelque sorte et de remigration, de détricoter tout ce qui a été unifié par la modernité, que ce soit au niveau marchand ou au niveau démographique. Et ils vont en pensant toutes ces évolutions et tous ces phénomènes comme l'expression d'une seule et même logique, eh ben, ils considèrent que du coup, pour s'y opposer, ben, il faut aussi les prendre comme un tout. Et c'est pour ça qu'on va avoir des phrases qui vont dire, ben voilà, si on veut la démarchandisation des rapports sociaux, ben, il faut aussi vouloir la remigration des hommes. En fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est ce que dit Renaud Camus par exemple dans des textes que je cite dans mon livre et qui sont troublants, voilà, où il dit qu'il soutient par exemple la lutte contre l'artificialisation des terres dans le triangle de Gonesse, parce que l'artificialisation des terres, c'est pas seulement il y a toujours cette pensée par analogie en fait. C'est oui, on artificialise les terres, mais on artificialise les terres parce qu'on artificialise aussi les peuples. On remplace la terre par le béton parce qu'on remplace l'autochtone par l'alloctone. Oui, parce qu'ils disent aussi, ou d'autres arguments, c'est pas exactement lui, mais ce qui va être, si on construit ce barrage, c'est parce qu'on va devoir accueillir des migrants qui vont devoir s'installer en périphérie, ils auront besoin d'eau. Enfin, en gros, ils associent immédiatement à des migrants qui appartiennent à une race qui est incompatible avec la leur. Enfin bref, ouais. Il y a aussi ça, ouais. Alors ça se retrouve aussi aux États-Unis, l'idée qu'en fait, les migrants qui arrivent par leurs besoins de ressources, etc., ils contribuent à... En fait, en gros, c'est pour eux qu'on artificialise des terres pour leur construire des logements et pour leur fournir les ressources nécessaires à leur bien-être, quoi. Je ne sais pas s'il reste énormément de temps, mais peut-être ce serait peut-être le moment d'aborder cette question, du coup, plus précise avec le Rassemblement National, l'extrême droite française de Marine Le Pen, ou même ce qui gravite autour, génération identitaire et des choses comme ça, avec l'idée en tête de répondre à cette question qui est, mais quand même, tu l'as dit toi-même, il n'y a pas de parti écofasciste, c'est des groupuscules, voire même c'est même pas des groupes en fait, c'est peut-être juste des individus qui déconnent et des manifestent, mais il n'y a pas encore de force politique écofasciste. Et donc du coup, peut-être parler du Rassemblement National, comment il absorbe une partie de la logique de l'écofascisme dans son idéologie, dans ses propositions, mais qu'en même temps, il y a en tension avec un problème que tu poses vachement bien, et qui est l'espèce d'aporie, ou de ce que tu appelles le dilemme de la puissance, dilemme qui est, en fait, un État a besoin d'être carbo-fasciste. Il a besoin d'extraire... Surtout s'il est nationaliste. Surtout s'il est nationaliste. Ouais. Il a besoin d'accumuler de la puissance parce qu'il est en compétition avec ses concurrents, qui sont ses voisins. Et puis même s'il ne voulait pas le faire, ben, il est contraint parce que s'il ne le fait pas, il se fait bouffer par un autre État, envahir, etc. Ouais. Et donc du coup, il y a une sorte de dilemme dans la possibilité pour l'extrême droite d'être autrement que par greenwashing écologiste, au sens où il y aurait un rejet de l'extractivisme, de l'exploitation de la nature, des ressources, qui, par ailleurs, quand on écoute Chapoutot, semble assez proche de finalement ce qui se passe avec le régime nazi. C'est-à-dire, beaucoup de gens font remonter l'écofascisme aux nazis en disant, voilà, il y avait Daré qui faisait des politiques de préservation de la nature, il y a les premières lois les plus rigoureuses pour défendre les animaux, la violence contre les animaux, etc. Mais en même temps, en parallèle, ce que dit Chapoutot, c'est que les nazis n'ont jamais été autant extractivistes, productivistes, considérer tout comme matière exploitable et destructible, et que du coup, il y a une espèce d'hypocrisie totale du vernis écologique, même juridique, par rapport à la puissance de l'État qui se militarise, qui exploite, qui est... Bon, bref. Et donc, du coup, si on parle du Rassemblement National en France aujourd'hui, déjà, un, comment il se réapproprie ses concepts, ses idées, et il fait une sorte de synthèse écologiste, de même qu'il a fait une synthèse bizarre avec le féminisme, avec avec la reconnaissance des homosexuels, etc. Ouais, ouais. Et comment tu penses que peut-être
au fond, ça va jamais être ça. Parce que quand, si jamais ils sont au pouvoir, ils vont jamais passer à un niveau écologique. Il y a pas mal de choses à dire. Mais alors déjà, effectivement, le Rassemblement National... Alors déjà, historiquement, le Rassemblement National était plutôt un parti indifférent, voire hostile à l'écologie. La fameuse pastèque que tu évoquais C'était une insulte, notamment popularisée par Jean-Marie Le Pen, dans une de ses saillies dont il avait le secret. Voilà, c'est aussi Jean-Marie Le Pen qui a pu dire des choses dans ses ricanements un peu gras qu'il appréciait, sans le réchauffement climatique, on mourrait de froid, ou ce genre de choses. Donc le RN partait quand même de loin sur les questions d'écologie. Mais en même temps, et c'est là où la stratégie métapolitique de la nouvelle droite a quand même, d'après moi, eu des succès, de la même façon que le logiciel ethno-différentialiste a infusé l'extrême droite, on va dire mainstream, entre guillemets, donc plutôt le Rassemblement National. Et ça, c'est vraiment documenté par des chercheurs qui ont travaillé, qui ont fait des enquêtes de terrain, notamment dans les jeunesses du RN au début des années 2000, où les gens disent nous, les Français, on se ressent aujourd'hui un peu comme des Indiens d'Amérique, on est menacés. D'ailleurs, on est solidaire des luttes des autochtones au Brésil parce que nous c'est pareil, on est contre la McDonaldisation du monde, etc. Enfin, il y avait vraiment eu l'intégration de ce logiciel. Bah, de la même façon, le tournant écologiste de la nouvelle droite, toujours avec un peu de retard, on finit par en retrouver certains aspects dans les discours du RN ou chez certains personnages qui gravitent au RN. Hervé Juvin, par exemple, bon, il est plus au RN maintenant parce qu'il a été condamné pour violence conjugale, il a été écarté. Et il n'était pas exactement au RN, mais il était proche du RN. C'est quelqu'un qui a écrit des livres, notamment un livre qui s'appelle « Pour une écologie des civilisations », qui est vraiment une sorte de version un peu cheap des idées de la nouvelle droite. Je crois que Marine Le Pen a dit qu'elle voulait une civilisation écologique. Marine Le Pen a utilisé parfois, elle a eu des formules un petit peu voilà, sur l'écologie, Bardella aussi. On a Hervé Juvin toujours et Andrea Cotarach, qui a été il y a quelques temps, voilà, qui était un des transfuges, un des rares transfuges de la France Insoumise vers le RN, qui ont fondé un groupe qui s'appelle Les Localistes, qui reprend aussi ces logiques. Et puis, on a, de manière générale, quand même, un Rassemblement National qui, depuis quelques années, essaie d'investir un petit peu le terrain de l'écologie, parce qu'il a compris que stratégiquement, de la même façon qu'il était difficilement possible d'arriver au pouvoir dans une société française d'aujourd'hui en tenant des propos grossièrement homophobes ou grossièrement sexistes, comme peut le faire Zemmour par exemple, et bah avoir une indifférence, voire une hostilité de principe à l'écologie, dans une société qui est quand même très sensible à ces enjeux, et bah ça pouvait leur coûter des points. Donc il y a une dimension de stratégie de communication et de stratégie électorale qui s'inscrit d'après moi en fait dans un processus plus large que tu as évoqué d'identitarisation de thèmes et de termes qui sont traditionnellement associés à l'émancipation. Le féminisme, la défense des personnes homosexuelles, la défense des animaux, la défense de l'écologie, la défense de la laïcité, tout ça va être l'antisémitisme. Voilà, avec la question de l'antisémitisme aussi. Tout ça va être identitarisé. Voilà, ça va être considéré comme un attribut de l'identité française de respecter les homosexuels, les femmes, les animaux, la nature, etc., la laïcité. Et toutes ces choses-là sont menacées par, encore une fois, le migrant, essentiellement le migrant arabo-musulman, qui, soit par sa virilité patriarcale conquérante, soit par son islamisme atavique, soit par, sacrifice des animaux, soit par l'abattage halal, soit par ses mœurs qui sont indifférentes à la nature, et bah, constitue une menace, pour le coup, identitaire. Donc là, il y a quand même une intégration de ces thématiques qui reste en tension, évidemment, avec d'autres dimensions. C'est-à-dire que, par exemple, on a encore, évidemment, aujourd'hui, dans l'extrême droite française et européenne, des tendances homophobes ou antiféministes très lourdes. Mais elles sont contrebalancées par aussi des discours qui vont intégrer et qui vont identitariser ces demandes-là. Et pareil sur la question démographique. On peut avoir une extrême droite qui va adopter des formes de néo-malthusianisme vert dans son discours, comme on peut avoir une extrême droite à la Orban, qui est ultranataliste, qui veut, et ça c'est aussi tous les enjeux sur les questions de genre et d'avortement, il faut absolument que les femmes blanches se reproduisent un maximum, parce que sinon, il faut réassigner les femmes à leur fonction reproductrice, parce que sinon, on va être dépassé par la reproduction des immigrés. Donc il y a des tensions à ce niveau-là, évidemment, mais il y a un pôle de l'extrême droite, et en France ça a été assez fort, et au RN c'est assez fort,
qui s'approprie ces questions-là et qui s'approprie sur la question de l'écologie. Et puis il y a un peu des sondes aussi, je pense à la revue Limite par exemple, qui t'as l'impression que c'est un peu une sonde, quoi. Genre, on va tenter un truc, alors est-ce que l'écologie en version réac, manif pour tous, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a un petit public à ça? Et puis ça vient s'installer un peu doucement, quoi. Alors moi, Limite, tu vois, je les ai pas mis dans l'écofascisme, parce que je pense que c'est encore un peu autre chose. J'ai plutôt tendance, là je le verrais plutôt comme une écologie conservatrice, avec bon, c'est une rue qui n'existe plus d'ailleurs, je pense qu'elle était elle-même traversée en interne par des tensions entre des tendances assez réac et d'autres plus catho de gauche. Je pense que c'était un peu partagé. Là où pour moi ils ont, j'ai pas lu tous les numéros de Limite, j'ai pas fait une étude, mais j'ai jamais vraiment vu de discours hard sur les migrants par exemple. Ils ont jamais adopté une rhétorique de grand remplacement. Et c'est là pour moi quand même la différence entre un discours qui peut être très conservateur sur les mœurs et un discours qui va vraiment être raciste et xénophobe, quoi. Et là, on pourrait penser au pape François aussi, qui reste en fait sur l'avortement quand même très... et voilà, ça reste une position de Vatican, quoi. Et en même temps, qui, voilà, dans des discours d'accueil de migrants. Alors je dis pas que Limite était sur la même ligne que le pape François, mais j'ai pas vu forcément d'évolution dans cette revue sur des thèmes d'extrême droite au sens fort. Aujourd'hui. Bon, mais parenthèse. Moi, j'arrive pas à me dire que d'une certaine manière, ils ont beau dire tout ça, quand ils identitarisent, à la fin, ça devient un antiféminisme, à la fin, ça devient quasi homophobe, et etc., etc. Et qu'au fond, la question, c'est mais genre jusqu'à quel point on peut prendre au sérieux ce qui dit, le biais de réappropriation progressisme identitarianisé. Autrement que comme, comme un écran de fumée, un beau sourire pour être élu, puis après, une espèce de... Voilà, qui vont se lâcher pour devenir comme Orban, quoi. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser comme ça aussi. J'aurais plutôt tendance à... C'est une jeune chercheuse, Lise Benoît, là, qui est une expression que je reprends, qui parlait de greenwashing nationaliste à propos de l'écologie. Je pense que pour les autres sujets, on est quand même essentiellement aussi dans du pinkwashing, du greenwashing. Je pense qu'effectivement, l'extrême droite au pouvoir serait pas très généreuse pour les personnes LGBT, même blanches, quoi. Et pour l'écologie non plus. Et c'est là où ça renvoie un peu ce que tu disais aussi, c'est que c'est là où c'est intéressant de revenir à la question du fascisme historique. Ce que dit très bien Robert Paxton, l'historien, c'est que on a souvent fait l'erreur d'essayer d'appréhender, de comprendre les fascismes à la lumière de leurs idéologies fondatrices, parfois davantage qu'à la lumière de ce qu'ont été leurs pratiques réelles. Oui. Et en réalité, il dit, bah oui, effectivement, dans le nazisme, il y avait une rhétorique anticapitaliste, il y avait une rhétorique ruraliste, naturaliste, l'éloge du bon paysan enraciné dans sa terre qui contrastait avec la figure du juif cosmopolite nomade, etc. Aujourd'hui, voilà, de la même façon, le RN va faire l'éloge du bon français rural ou de la France périphérique qui a sa petite écologie indigène, qui chasse et qui pêche le week-end et qui est menacée par l'écolo-bobo métropolitain et cosmopolite et mondialiste. Mais... bon, voilà, en fait, une fois au pouvoir, le fascisme, historiquement, notamment dans la perspective de la guerre, il est tout de suite devenu hyper technophile, pour ne pas dire technolâtre, industrialiste à mort, avec une mobilisation générale de toutes les ressources, de tous les territoires, de toutes les populations, pour nourrir la machine de puissance. Ce qui te fait dire dans ton livre, à un moment donné, que... poser cette question, est-ce que les écofascistes c'est genre la forme du fascisme qui vient, etc., ou est-ce que c'est les idiots utiles, que tu utilises cette expression, ouais, des carbo-fascistes qui en fait avancent leur pion sous le masque d'une autre chose qui peut séduire n'importe qui. Ouais, je pense que là en fait on est surtout dans une rhétorique électoraliste de communication, et je pense que ça marche d'une certaine façon. C'est vrai que Marine Le Pen, vraiment, elle fait souvent des photos avec ses chats. Et je suis sûr que c'est très étudié. Je pense qu'il doit avoir des, je pense qu'il va avoir des groupes de com qui sont performants au RN. Je pense que ça doit être étudié, ce type de communication. Ah non, mais je pense qu'ils sont très bons. Donc bon, bref, c'est voilà. Non, mais moi j'ai peu d'illusions. C'est pour ça que je le dis à la fin de mon livre. Je dis, pour moi, l'écofascisme c'est une idéologie et à mon avis ça le restera. J'ai du mal à l'imaginer un pouvoir d'extrême droite qui véritablement va prendre des mesures qui vont être bénéfiques pour la planète, enfin, ou pour les écosystèmes, pour les milieux. Mais peut-être pas en tant que prise de pouvoir, tu vois, enfin en tant que
gouvernementalité. Mais moi, quand on a fait la journée sur le fascisme, là, il y a une des camarades des Soulèvements de la Terre, elle disait assez justement, en fait, on est dans une situation qui est un petit peu bizarre, où il faut être quand même très, très au taquet, c'est que on voit bien que la question du vivant, de l'équilibre naturel, et le vivant, et le vivant, et le vivant, et le beau, et le jeu, qu'en fait, il y a une récupération possible, qui sera pas forcément du Rassemblement National, mais en tout cas réactionnaire et conservatrice, qui est une possibilité qui est facile, qui est hyper facile, et qui, tu peux imaginer, dans les crises qui vont venir, écologiques, etc., avec des espèces d'accélérations, où d'un seul coup, on se ressaisit de ces trucs-là dans leur versant super réac, et qui, en fait, et qui, je pense, peut vraiment donner une puissance mauvaise, très très puissante, quoi. Bon, alors ça, il reste 3 minutes, après, je suis vraiment le relou de service. Mais... Non, mais okay. Après, c'est... Mais moi je suis d'accord, hein. Enfin, c'est un peu le... c'est pour ça que j'ai écrit le livre quand même, c'est parce que... Mais après, voilà, je reste quand même sceptique sur la possibilité de... Hein, tu vois, si le RN arrive au pouvoir en 2027, je pense que ça va être un pouvoir très anti-écolo. Enfin, je pense pas que... Même s'ils font campagne en 2026 avec une dimension écolo beaucoup plus travaillée dans leur communication, je pense pas qu'arriver au pouvoir, ils vont se mettre à lutter contre l'artificialisation des terres et... Certainement pas, mais par contre, très probablement qu'ils utiliseront d'arguments écologiques, pour pouvoir justifier des mesures fascisantes. Probablement, ouais. Une espèce d'opportunisme écologiste, quoi. C'est plus comme ça que ça va se manifester, à mon avis. Voilà. Plus comme ça que par de réelles politiques écologistes concrètes, quoi. Mais oui, dans la rhétorique, il faut s'attendre, à mon avis, à ce que ça monte, quoi. Est-ce que ça monte ? Peut-être pour finir, bon, c'est pas ton livre, c'est une citation que tu donnes en note de bas de page, de scénarios possibles de l'écofascisme qui vient dans le livre... Léviathan climatique. Ouais, hein. C'est ça, le Léviathan climatique. Je trouve que c'est assez sympa, on voit les différents scénarios possibles. Je sais pas si c'est sympa, c'est pas sympa du tout, mais bon, avec ces figures mythologiques, ces métaphores, ces images. Et, du coup, je dis la phrase, en gros, c'est quels sont les scénarios du monde qui vient, quoi. Et alors, les bouleversements écologiques à venir favorisent peut-être l'avènement d'un régime d'exception, décidant d'eux, déclarer l'état d'urgence et de mettre la Terre en ordre, tout cela au nom de la sauvegarde de la vie. Il y a 4 régimes climatiques potentiels qui pourraient en surgir. 1. Le Léviathan climatique, système capitaliste globalisé gouverné par une souveraineté planétaire. 2. Le Mao climatique, système anticapitaliste dont le pouvoir souverain s'exercerait soit à l'échelle d'un État-nation, soit à l'échelle de la planète. Ça, c'est 3. Le projet d'Andreas Malm. Voilà, c'est ce que... 3. Le Behemoth climatique, système capitaliste contenu dans les limites de l'État-nation. 4. X climatique, sorte de dépassement éco-socialiste et libertaire du capitalisme. Eux, ceux qui écrivent ça, ils pensent que c'est le Léviathan climatique qui va l'emporter. Et toi, tu dis que tu sais pas. Je me mouille pas. Tu dis, la perspective d'un monde multipolaire de behemoths climatiques ou de micro-Léviathans régionaux en compétition les uns avec les autres me semble à ce jour plus réaliste que celle d'une gouvernance autoritaire et sacrificielle déployée à l'échelle mondiale. Ah, je me souviens plus que j'avais dit ça. Merci Pierre. Merci pour l'invitation.